Hello les gens, c'est Incalos. Ce soir, c'est la nuit des étoiles. Et pour ça, je vous invite dans mon club d'astronomie à Sévérac. Allez, c'est parti. Donc l'association, c'est aujourd'hui 70 membres, mais en 94, quand l'association a été créée, c'était beaucoup plus restreint, il n'y avait que 3 membres, d'où le nom Voyageurs 3. Voyageurs 3, c'est à la fois en référence aux 3 membres fondateurs, en référence aussi aux sondes spatiales qui ont fait découvrir le système solaire à la fin des années 70, début des années 80, Voyageurs 1 et Voyageurs 2. Voyageurs 3, c'est aussi des animations tout au long de l'année, puisque tous les vendredis, on va se rencontrer on va proposer des observations bien sûr, mais aussi des exposés, des diaporamas pour expliquer un petit peu ce qu'on voit dans le ciel. Et Voyageurs 3, c'est aussi une magnifique coupole. La coupole, en fait, cette année, c'est un petit peu particulier parce que ça fait 10 ans qu'elle est arrivée, donc c'est son 10e anniversaire. Cette coupole, en fait, c'est la deuxième de ce type qui a été installée sur toute la planète. La première, elle a été installée au Turkménistan quelques mois avant d'être installée pour la seconde coupole à Sévérac. Et qu'est-ce que nous cache du coup cette coupole ? Un grand mystère, voilà. À l'intérieur de la coupole, il y a un télescope qui a été entièrement réalisé par les membres de l'association. Dans notre jargon, on appelle ça le T430. C'est juste télescope et 430 mm, c'est la taille du miroir. On a fait tout de A à Z, aussi bien la mécanique, l'informatique, plein de choses en hic. Il y a juste le miroir qu'on n'a pas fait parce qu'on était pressé de pouvoir observer. Et là, on l'a commandé. Avec Loïc. Donc Loïc, on est sous la coupole du club. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la coupole et nous dire pourquoi c'est un endroit aussi exceptionnel? Ça permet de garder un télescope en position en permanence. On a juste à appuyer sur un bouton ici parce qu'on a tout conçu et réalisé nous-mêmes. Donc c'est exceptionnel aussi par ça, parce que ça a été réalisé par les membres du club. Donc nous, on a conçu les plans, les réalisations, la commande numérique aussi. Donc tout est réalisé, on maîtrise de bout à l'autre. Donc c'est exceptionnel aussi parce qu'on a très peu d'observatoires en France qui soient ouverts au public comme ici. Alors qu'est-ce que justement vont pouvoir voir les visiteurs ce soir à la nuit des étoiles? Qu'est-ce que tu vas leur proposer à l'observation? Là, on va déjà proposer les planètes, parce que c'est exceptionnel qu'on peut observer 4 planètes ce soir. Il y aura Vénus, Jupiter, Saturne et Mars pour finir. Donc, c'est déjà exceptionnel d'avoir les 4 planètes pour une nuit des étoiles. Généralement, on a une ou deux. Et après, il y a des amas globulaires, des nébuleuses et tout ça qu'on pourra voir, même des galaxies. Donc, c'est magique aussi de voyager si loin en peu de temps. Donc, comme vous l'avez pu le comprendre avec Loïc, le télescope est une création unique, une pièce faite main par les membres du club. Et à cette occasion, un diaporama qui retrace un petit peu l'histoire de la création de ce télescope est proposé aux visiteurs en attendant de pouvoir le visiter.
là, je suis avec Laurent, un autre membre de Voyage en Trois Astronomie. Laurent, est-ce que tu pourrais nous parler de ton énorme installation que tu as juste derrière toi là? C'est vraiment super impressionnant. C'est donc un télescope pour voir différentes choses dans le ciel. Donc on peut voir tout ce qui est planétaire, donc rester en fait dans notre système solaire, même des astéroïdes, des choses comme ça. Et après, on peut aller plus loin dans notre galaxie, voir des nébuleuses, voir des amas globulaires, voir différentes formes d'objets, et après partir vraiment voir d'autres galaxies dans l'univers. Voilà, grosso modo, à quoi sert ce télescope qui est derrière moi. Donc c'est quand même un sacré équipement que tu as là. Ça fait longtemps, toi, que tu fais justement de l'astronomie au sein du club ou même de manière personnelle? Ça fait à peu près une bonne dizaine d'années. Voilà, donc j'ai commencé comme tout astro-amateur avec un petit télescope pour voir la Lune. Et après, progressivement, en fait, j'ai grossi en matériel et puis voilà. Après, quand on met un pied dedans, ben on essaye de voir un peu plus loin, puis voir des belles choses. Moi, j'ai quand même juste une question. Est-ce que avec un instrument pareil, parce que moi je trouve que c'est quand même assez impressionnant, est-ce qu'on peut voir de la couleur? Alors ça, c'est une question que on pose beaucoup. Alors effectivement, normalement, on voit pas de couleur. Voilà, on voit quand même qu'en noir et blanc, à part certains objets qui sont vraiment très lumineux, où on peut voir distinguer quelques couleurs, mais voilà, en fait on voit que en noir et blanc, mis à part où après on peut mettre dessus un appareil photo, et là par contre on se dévoile vraiment les objets du ciel en couleur, et là ça devient magique. Et est-ce que toi justement tu fais un peu de photo ou pas du tout? Je fais en fait principalement de la photo. Là ce soir c'est un peu, voilà, je dirais pas que c'est exceptionnel que je fasse du visuel, mais voilà, ma passion première c'est faire de la photo d'astronomie, donc photographier les nébuleuses, les étoiles, les galaxies et bien sûr nos planètes et notre système solaire. Et du coup tu as un endroit où tu exposes, où est-ce qu'on peut aller voir tes travaux? En fait ce soir j'expose donc mes photos en fait dans le hall où il y a en fait toutes les animations. Donc vous pouvez voir en fait tous mes travaux que j'ai pu faire en photographie. Donc ici on se trouve dans la salle d'exposition, il y a plusieurs choses à voir. La fameuse expo photo de Laurent, vous avez plein d'expériences à faire et vous avez plein de membres du club d'astronomie qui sont là, qui sont prêts à vous guider, à vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à voir. Et vous avez aussi au fond de la salle la présence d'un planétarium, une expérience unique où vous allez pouvoir, à l'aide d'un compteur, faire une visite dans notre système solaire et bien plus loin encore. Là, je suis avec Lisa qui anime un stand de cadran solaire. Donc Lisa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un cadran solaire? Un cadran solaire, ça sert à lire l'heure grâce au soleil. Comment du coup est-ce que tu fais pour lire l'heure grâce au cadran solaire? Tu vois, là on a un bâton et en fait l'ombre qui va se rejeter dessus, c'est ça qui va nous servir à lire l'heure. Donc au final, c'est une activité très ludique qui permet justement aux enfants de découvrir un petit peu l'astronomie et le mouvement du soleil et de la Terre autour du soleil grâce à du bout de papier finalement. C'est ludique, mais aussi ça sert aux adultes qui se rendent pas forcément compte. L'heure, tu peux pas la lire quand il n'y a pas de soleil. Ça commence vers le lever du soleil à 6h et ça finit vers 18h. Et après 18h, tu peux plus lire l'heure en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le temps universel. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous mettre à l'astronomie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là ou regarder les nouvelles vidéos juste en bas. Moi, je vous dis à l'année prochaine et j'espère vraiment vous voir au club d'astronomie à Sévérac. Allez, ciao, à plus.